Et c'est ainsi qu'il relance la FNAF VR après avoir fait à peu près tous les trucs qu'il y avait dessus. Enfin, avoir au moins tout testé, tu vois. Pourquoi je rejoue aujourd'hui à FNAF VR El Pointed alors que ça fait quelques temps que j'ai pu jouer? C'est parce que j'avais très envie de jouer, je me suis dit que bon, tant qu'à faire un truc sur ce jeu de merde, autant filmer. En fait, je me dis si j'essaye pas un peu, si je tryhard pas un peu, je vais rater à côté de ce que le jeu peut me proposer, tu vois. Attends, il y a Price Counter là, parce que moi j'ai une pièce sur 30. Faut avoir un ballon. Ouais! Mais il rebondit pas ce ballon, putain! Bon, en fait, je me suis dit, ça serait quand même vachement bien d'essayer de finir cette putain de nuit 4, quoi. On appuie sur le bouton pour couper l'appel. Bon, ok, écoutez. Donc, FNAF, bien évidemment, c'est un jeu. C'est pas très drôle, en fait, tu vois. Putain, je vais me prendre un... Oh là là, là là là, ça y est, ça commence à monter, là. Du coup, en fait, il y a des espèces d'animatroniques de merde qui viennent vous dire bonjour. Et ils vont faire des bisous à votre cucu si vous faites non. Donc du coup, regardez la caméra, ne consomme rien. Bon allez, ce jeu ne fait pas peur. C'est pour les enfants. J'entends des bruits de pas, putain, j'ai l'impression d'avoir déjà merdé. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, sans déconner. Il est où ce fils de pute? Oh, y'a Foxy là. A droite, il y a le mec. Putain, je savais pas que Foxy était là. Foxy est là. Foxy est pas loin là. Foxy est chaud. Foxy, il pique des sprints. J'ai attendu le dernier moment, putain, je suis tellement chaud. Hop. Voilà, j'ai pas trop le choix quoi, tu comprends? De côté là, ok, je t'ai vu. Je sais pas ce qui bouge là, je sais pas, y'a un truc qui marche mais... Allez, cassez-vous, please. Mais casse-toi. Fils de pute! Bon, la nuit 4, j'ai jamais passé. Je peux peut-être faire. Y'a un mec là, je sais pas c'est quoi! Et y'a le machin, le piaf de merde là. Oui, je sais, c'est pas une vidéo aussi marrante que d'habitude. Désolé les copains! Ça fait tellement peur ce truc là, ça me saoule. Je suis à 25% 80. Il y avait un truc, j'ai très peur. Ils sont tous les deux, je peux rien faire. 5h du matin, 10% putain presque. Je suis à rien putain, non, s'il vous plaît. Je suis à rien, il est 5h du matin. Fais chier. Oh merde, putain, fais chier, j'étais tellement proche quoi. Est-ce que j'aurais dû laisser la porte fermée à droite? Bon, on sait très bien ce qui va se passer, hein. Putain! Putain, j'ai réussi, mais c'est quand même avoir un screamer! Attention! Et en plus, j'ai un screamer à cet endroit-là. Donc je sais pas. Oh, j'ai réussi à passer à nuit 4! First try quoi, putain, mais je suis tellement chaud! J'ai même eu un ballon! Oh ouais, je pensais tellement pas y arriver! Oh putain, je viens de voir, j'étais décalé, bon. Oh la fin, j'ai déjà envie de mourir! Du coup, il y a un autre mode après. Donc enfin, il y a un autre mode de difficulté. Tu vois, Night 5. Vu que le jeu c'est 5 Nights. Here we go! Bon allez, bon, power left, machin. Mais j'ai vu, il y a Foxy au loin, putain, effectivement, je ne savais pas, moi, je vais apprendre des choses, tu vois. Je réponds quand même, je vais écouter ce qui. C'est un peu flippant, ce qu'il me dit au téléphone. Ah.
Oh, mais je comprends rien, mais j'ai eu trop peur, là. Je suis pas bien. Du coup, c'est la dernière nuit? Ouais, si j'arrive, je suis chaud hein, quand même. Il est déjà 1h du matin. Ça va? Je cligne de ta pote pour essayer de gratter un max de temps. Putain, mais je panique. En fait, tu vois l'ombre du mec, mais je fais pas gaffe. Il est là, lui. Ok. Lui, il va me foutre un gros screamer, ça continue. Hein. En fait, je sais pas si je peux ouvrir s'il est là, lui, tu vois. J'ai envie de dire non. Foxy bouge un peu. Foxy, on l'a pas vu parce que je pense que je regarde assez, tu vois. C'est pour ça, je pense qu'il vient pas. Foxy. Foxy, de pute! Non, ça c'est pas du tout. Ah! Putain, pardon! Je sais pas ce qu'il fait, lui. J'ai eu un bug. Il y a eu un bug de collision de modèle 3D nul. Ah, franchement, je suis baisé là. J'ai eu peur! Ah putain, mais 3h du matin toujours. Oh! Vous voulez pas vous casser? Il y a lui là, putain, mais. Mais qu'il est toujours là, le ce gros fils de pute derrière la porte là, pardon, mais hein! J'ai vu un truc là à gauche que j'avais jamais vu. Oh, il fait peur lui. Perdu! Ah la foutre! Je restart direct! Je veux pas me prendre de screamer! On sait le screamer, on sait tout ça, on sait machin, ça va clignoter, ça va, il y a des trucs qui vont se fermer, tout machin. On attend, on reste calme et on réfléchit, ok? On n'agit pas dans la précipitation! Lui, il bouge, lui. Toi, lui, il a bougé là. En fait, je savais pas, moi, je regardais qu'à droite. Eh, attends, il y a un truc qui bouge là, non? Ah, il y a les deux sortent déjà là, en fait. C'est normal, c'est l'animation. Mais il casse ses couilles, il peut pas éteindre les lumières, fils de... Il m'a fait dépenser l'électricité pour rien. Tellement grossier, pardon, mais... C'est chiant, il est déjà 1h du matin. Mais il m'a fait qu'une fois la dernière fois, c'est bon là, peut-être, non? Je ne sais pas si je peux ouvrir la porte s'il y a... mes couilles là, en fait. Il est parti, mes couilles. Insupportable ça par contre. Vous l'avez entendu hein. C'est moi ou c'est noir et blanc à gauche? Je sais pas, j'ai l'impression de voir en noir et blanc le jeu. Ensuite je suis daltonien donc ça se trouve c'était noir et blanc tout le monde. Je sais pas si je peux ouvrir la porte. Là il y a tout pour me casser les couilles, c'est ça? Et 3h du matin 50% n'est pas si mal, putain on peut y arriver! Je suppose qu'il y a un peu d'aléatoire, vu qu'il y a aussi les événements qui se déclenchent pas forcément tout le temps, tu vois. Il y a le mec en bas, à droite là-bas. Je sais pas ce qu'il veut. Mais... Si je prends un screamer pour rien, je sais de quoi ça vient. Il arrive à droite. Dernier moment, 1, 2, 3. Si je vais accélérer la fin. Au 4h du matin, bon. On est pas si mal, ça va. Sois impatient. Foxy est ici. 10% jusqu'à la fin, putain, je peux y arriver. Oh putain, j'ai eu peur, ça n'a pas marché. Pardon, vous voulez appuyer sur le bouton. Je vais être juste, mais je vais y arriver, c'est bon, ça va le faire. Putain, please, que ça dure encore quelques secondes, l'animation et tout, là, me faites pas inscrire tout de suite, please. Je peux y arriver, putain.
Si vous savez que le son se coupe, parce que je ferme mes yeux. Si vous savez que le son se coupe, c'est bon. J'ai réussi. J'ai quand même eu un screamer, mais c'est pas grave, attendez. Est-ce que j'ai quand même réussi ou pas? Est-ce que j'ai quand même réussi ou pas? Non, genre j'ai pas réussi. Oh putain, je suis deg. Attends, il est combien de minutes? Encore 2 minutes, je relance, je m'en bats les couilles. Oh non, putain. Mais oui, restart, que j'en ai rien à foutre. J'étais tellement prêt, c'est tellement frustrant. Putain, ça me saoule. Je m'en fous, je vais y arriver. Faut juste que là, Foxy m'a pris par surprise parce que je me posais des questions existentielles sur la vie. J'étais pas concentré, c'est pour ça. Hein? C'est pour ça, ok? Donc là, nous allons, bien évidemment, entendre une 7e fois le screamer. Je sais même pas comment ça fait combien de fois que je travaille, quoi. J'entends des bruits que je n'ai jamais entendus. En fond, c'est trop bien. Ok. En fait, j'ai l'impression que plus tu les regardes, moins ils te font chier, en fait. Enfin, pour la plupart. En fait, Foxy, c'est pour ça qu'il me rushait dessus tout le temps, tu vois. Okay. Je sais pas où est Freddy, putain. Il doit être là-dedans. Fils de pute! C'est la paix du cœur, tellement. Il arrive. Hop, je suis en porte. Il est dans le coin. Il est pas devant ma porte, il est dans le coin. Non, il est là, du coup j'ai peur. Il y a un truc qui bouge, mais c'est pas l'autre bâtard que je sais pas ce qu'il fait. Il y en a un, je sais pas ce qu'il branle, il reste dans le coin là. On dirait moi quand j'étais au collège et qu'on carottait mon goûter, tu sais. Le mec dans le coin là, ici je sais pas ce qu'il fait. Vraiment grosse panique, je ne comprends pas. Foxy est là, ok. J'ai fermé la porte direct quand j'ai entendu que ça commence à bouger à gauche. Il arrive, putain. Allez hop, c'est bon. 14 du matin, 40%, putain, allez, là on y est presque, quoi. Tu es là, je t'ai vu. Je veux pas ouvrir, il est là, j'ai trop peur, moi. À droite, il est tout le temps là maintenant. À droite, il est tout le temps là. Et ça fait tout le temps ça à la fin. Cassez-vous! Je sais pas! Vous n'avez pas d'autre chose à foutre dans votre vie d'un introduit de merde? Il faut que si, parce que je veux pas qu'il me nique à la fin. Il est juste dans le coin lui aussi là, il me fait trop peur. Allez là, je suis bon là. Là, je suis bon. Fermé. Quoi? Ah non, j'étais à 3%. J'étais à 3%. Pourquoi ça m'a pas compté? Mais c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'étais à 3%, putain. J'espère que ça va me compter. J'ai pas envie de retravailler encore. J'étais tellement bon, please. J'ai le yeah, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est bon, putain. C'est ce que je rigore bien, hein. Oui, je rigore bien. Putain, j'ai réussi. Oh, par contre, c'est une 6ème nuit, ce sera pour une prochaine fois, par contre. Hein. Mais je crois que... Attends, le jeu s'appelle Five Nights, donc forcément... Oh! C'est qui le patron, putain? C'est qui a réussi à finir cette putain de nuit? Eh ben, j'ai réussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis sûr, ça y est. Faut que j'aille prendre une bonne putain de douche. Si ça vous a plu, partagez la vidéo avec vos amis. Je vais être trop sûr, je vais avoir des auréoles, je vois pas d'ici. Si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un like, ça fait toujours plaisir de vous abonner. Tout ça, vous connaissez. Partagez la vidéo avec vos amis, c'est ultra important. Je parlais très vite. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Et faites attention aux animatronics, parce qu'ils sont pas nos animatro gentils.